Hello, hello! Ça va bien? Bon, je vais aller rafraîchir ma page, voir si je me trouve. On va voir si ça marche, mon affaire. Là, j'ai encore. Ouais, je suis là. Là, j'espère juste que je n'accrocherai pas encore le piton, mais je reviens ma caméra de bord. OK, mon son est bon, parfait. Je me suis connectée un petit peu avant pour laisser le temps au monde d'arriver. OK. Là, ça se peut que vous entendez du bruit parce que mon chum il est en haut en train de faire des travaux dans la salle de bain en haut. Alors, moi, je l'entends très bien. Je ne sais pas si vous autres, vous l'entendez, mais moi, je l'entends très bien. Bon. OK. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec nos Incolores qui nous quittent bientôt. Je les aime tellement, ces couleurs-là. Mais il va y en avoir d'autres. Ok, je me présente. Je m'appelle Lise Labelle. Bienvenue sur mon groupe Création Loulis. Je suis à Lavaltrie. Si vous avez besoin d'une démo, appelez-moi. Ça va me faire plaisir de vous servir. Et moi, ça fait depuis 2019 que je suis démonstratrice, mais ça fait au-dessus de 20 ans que je fais du scrapbooking puis de la carterie. J'adore ça, c'est ma passion. Bon, fait que je vais virer ça. Je vais essayer de ne pas m'accrocher dans le piton. Je vais virer ça. OK. On va laisser ça comme ça. Bon, à date, ça va bien. Je ne suis pas accrochée. Yes. Tiens. Je dirais que je suis comme. Tiens, c'est correct ça? Ça a l'air de quoi? Je vais allumer ma lumière. Ça va aller pas mal mieux. Là, quand vous allez arriver, venez me faire un petit coucou, les filles, s'il vous plaît. Hein? Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. Tiens. Bon, ça devrait être pas pire de même. Je pense que ma caméra est pas assez loin. Je vois juste là. De même. Tiens, comme ça, je pense que ça devrait être pas mal mieux. Tiens, et voilà. Bon, OK. Aujourd'hui, comme je vous dis, on va travailler avec les N-Colors qui s'en vont. Nos belles couleurs. Nos belles couleurs. Soyeuses succulentes, fraisiers en fleurs, papaye pâle, épinette enivrante, puis pierre rose polie. Eux autres, ils nous quittent au mois d'avril. Au mois de mai, on va en avoir des nouvelles. Salut Maryse! Alors aujourd'hui, je me suis promenée sur Facebook, puis j'ai été sur le site de Stampin' Up, puis j'ai vu qu'ils avaient fait des belles cartes avec les N-Colors qui s'en vont justement. Puis ils ont pris le jeu Pétale Manuscrit. Moi, je l'adore ce jeu-là. Je dis, on va s'en servir au cas où qu'il ne reviendrait pas. Fait qu'on va s'en servir encore. Lui est à la page 107 dans le catalogue annuel. Salut Ginette! Ah, oh, cool, t'es là! Cool! Tu m'as trouvé! Fait qu'aujourd'hui, on va travailler avec les papiers N-Color. Moi, c'est pas ceux-là que j'ai. Okay? Moi, j'ai l'ancienne collection. Mais tiens, pas grave, là. Vous avez qu'à prendre la collection que vous avez là. Ça, c'est la collection 2021-2023, c'est ça. Oh, je pense que j'ai pas bien marqué mon annonce. Hein? C'est pas 2023, moi. Oui, c'est ça. C'est 2023 qui s'en va. Ouais. C'est ça. Alors, on va travailler avec ça. Là, ce que j'ai vu sur Internet, c'est ça. Les belles cartes qu'ils ont faites. Je les ai reproduites. Avec épinette enivrante, soyeuse succulente, fraisier en fleurs. Et pierre rose polie. On va faire la papaye pâle ensemble, OK? La trouvez-vous belle? Oh, moi, j'ai tellement trippé sur tes cartes-là. Hein? Elles sont donc bien belles. Elles sont simples, mais elles sont belles. Puis, je voulais vous montrer, souvent, je me suis fait demander ça, la façon de couper nos papiers pour ne pas avoir de pertes dans nos cartes, OK? Fait que, on y va avec une feuille 8,5 par 11. Moi, la façon que je fonctionne, je vais me baisser ici.
Moi, je travaille beaucoup avec ce modèle de carte-là. Je la rainure à 4 1/4. Rainurée, parce qu'avec notre coupe-papier, on a le rainuré. Puis on a... Salut Carole! Ça va bien? On a rainuré, puis on a... Puis là, je la vire à 5 1/2. Fait que je l'ai rainurée à 4 1/4. Là, je la coupe à 5 1/2. Fait que ça me fait 2 bases. OK? Puis l'autre façon, ben c'est le contraire. Je la mets à 5 1/2 sur le côté du 11. On le met à 5 1/2. On va la rainurer à 5 1/2. On le tourne à 4 1/4 sur le côté du 8 1/2. OK? Puis, on coupe. C'est ça. Mais moi, ces modèles de cartes-là, je m'en sers pas souvent. Je trippe pas là-dessus. OK? Qu'est-ce que ça nous fait? On n'a aucune perte dans notre papier. OK? Salut ma soeur, ça va bien? Ah cool, on est 4! Wow! Francine, j'ai reçu ma commande aujourd'hui, j'ai ta perfo, OK? Mais qu'on se voit, je vais te la donner. Et voilà. OK? On n'a aucune perte avec notre papier 8 1/2 par onde, OK? Ça nous fait toujours 2 cartes. Moi, je travaille surtout avec celle-là. Avec ce modèle-là, on peut faire une carte comme ça ou une carte comme ça. OK? Puis avec l'autre modèle, comme ça, c'est pas la même chose, regardez. Ou une carte comme ça. C'est bon. Comme je vous dis, moi, ce modèle-là, je m'en sers pas souvent. Des fois, je m'en sers, mais c'est bien rare. Alors, on va aller travailler avec ça. C'est une carte 4 1/2 par 5 1/2. Voyons. 8 1/2, 5 1/2, rainuré à 4 1/4, OK? Je travaille avec ça. Hey, ça va-tu bien, les filles? Je suis contente de vous voir. C'est cool. Hey, on est 4, c'est bien hot. Fait que comme je vous dis, ces cartes-là, là, je vais aller mettre mon ruban avant de coller, OK? Si j'ai mis mon ruban, ah, il est là, OK? Fait que, moi, je triche. Je mets juste un petit bout. Je coupe. OK. Je vais aller mettre un petit peu de collant en arrière. Là, je regarde. OK. L'autre bord. J'ai de la misère avec ça, là. Torieux. Oui. Oui, moi, ça va super bien, fille. Ça va vraiment bien. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à travailler beaucoup plus. Ma collègue de travail a fait opérer un genou. Fait que je vais travailler beaucoup plus fort. Je vais travailler tous les soirs. La semaine, mardi au vendredi, je vais travailler tous les soirs. Moi, je ne suis pas habituée à ça, travailler les soirs. Bon, OK. Là, on va aller mettre de la colle. Bon, j'espère. Oui, elle a coopéré. Ah, c'est ça, je vais m'habituer. On colle ça là-dessus. Donc, prenez le papier incolore que vous avez, là. Moi, comme je vous dis, c'est l'ancien que j'avais, mais... York. Carole, oui, York. T'as bien raison. T'as bien raison, ma Carole. Mais c'est pas grave. T'as quoi donner? Tiens. On va coller ça. Ah, j'ai oublié d'aller faire la couleur. Je vais aller faire ça. Parce que j'ai décidé de faire une autre carte aussi. On va vous montrer ça après. Mais ça va être dans la même couleur, papa et Paul. Fait que, je vais juste aller prendre mes papiers et faire. C'est la même fleur. Fait que je vais aller faire ma fleur. Pour celles qui viennent d'arriver, c'est dans le jeu pétale manuscrit, OK? J'ai pris cette fleur-là. C'est les étampes contours. Puis je vais aller chercher les étampes pleines pour faire le coloriage dedans. OK? Alors... Je vais les colorier toutes les deux de la même façon. Je vais aller faire mon autre fleur qui va sur mon autre carte. Je vais aussi mettre la faire tout de suite. Ça va être fait.
Ça ici. Et là, on la fait comme ça. Êtes-vous contente qu'ils partent ces couleurs-là, les filles? Ou ça me fait de la peine? C'est quelle couleur votre préférée? Dans ces couleurs-là ici. Moi, soyeuse succulente, je l'aime beaucoup, beaucoup. Fraisier en fleurs aussi. Vraiment, là, je les aime beaucoup, beaucoup. Ça me fait bien de la peine qu'ils partent. Bon, fait qu'on y va avec le papaye pâle. Fait que mes deux cartes, ça va être papaye pâle. On va aller faire le remplissage des feuilles, des fleurs. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Le son est bon, les filles? Fraisier en fleurs, Maryse, oui, je l'aime beaucoup. Bonjour, Nadège. Ça va bien? Fait que ça, c'est les tempes de remplissage. C'est pas parfait, puis c'est normal, OK? Elle est faite de même. Voilà. Puis c'est normal qu'elle soit comme ça. La feuille. L'autre fleur. Comment elle est déjà, celle-là? Ouais, comme ça, comme ça. Voyons, je me souviens plus. Attendez un petit peu. Tantôt, j'avais pas la caméra dans le visage. OK, comme ça. Oh, comme ça. Tiens. Comme ça. Puis, on va aller faire la Belgique. Wow! Nadège, elle nous suit de la Belgique, les filles. C'est malade. C'est donc bien hot. Hey, bienvenue! Wow, je capote! Fait que là, j'ai fait le remplissage de mes fleurs en papaye pâle. Là, je vais aller faire mes feuilles en soyeuse succulente. Là, on travaille avec No In Color, les filles, OK? Moi, je change pas. Ici. OK, c'est une autre petite. Voilà. Là, j'ai la petite feuille, puis j'ai la grosse feuille. OK. Donc là, on y va avec la grosse feuille. Comme ça ici. Moi, j'aime ça, ces jeux d'étampes-là, qu'on a juste à étamper. Comme ça. On n'a pas de coloriage à faire. C'est vite fait. Teinte-oui. Vite fait. Aimez-vous ça, vous autres, ces jeux d'étampes-là, filles? Moi, j'adore ça. Ça va tellement bien. Hein? Tiens. Bon, okay. Je vais laver mes étampes. Comme ça. Celle-là. OK. Celle-là. Bon, ça c'est fait. OK. Celle-là, je vais aller écrire mon vœu. Là, ici, j'avais écrit, celle-là, j'ai écrit merci, j'ai besoin des cartes de fête. J'envoie beaucoup de cartes de fête, moi. Fait que ces deux-là, celle-là, j'avais écrit bonne fête, celle-là aussi. Celle-là, j'ai écrit félicitations. Puis celle-là, mais je vais écrire merci, parce que j'envoie aussi des cartes de merci. Mon vœu, je l'étampe en noir, OK? Hey, oui, je suis populaire, ma soeur, du monde de Belgique qui me regarde. C'est cool. J'aime vraiment ça. Hey, on est 7. Wow, c'est la première fois qu'il y a autant de monde dans mes lives. On va mettre merci. Voilà. Ça me fait de la peine qu'il s'en aille, ce jeu. Ben, je sais pas s'il s'en va, là, mais ça va faire 2 ans hein, qu'il est dans le catalogue, ce jeu-là. J'espère qu'il s'en va pas. Vraiment des belles fleurs. Là. Bon, avec celle-là, tu vois, cette carte-là est quasiment finie. Elle n'est pas longue à faire. Elles sont super belles, ces cartes-là, puis c'est vraiment pas long à faire. Moi, vous savez, hein, moi et les boucles, là, hein, vive les nœuds. Hein? Quand je ne suis pas en vidéo, je m'essaye, là. Mais en vidéo, là, non. Allez, je vais faire un beau petit nœud, puis ça va faire la job. C'est aussi beau. Tiens, voilà. Puis, pour solidifier mon nœud, je prends mon outil de touche à tout. Et il est quelle heure en Belgique?
Salut Lynn! Il est quelle heure en Belgique, Nadège? Je suis curieuse. Voilà. Tiens. Puis on va aller mettre nos belles petites perles incolores. Non, c'est pas tout seul, hein, qui aime pas les boucles. Ouais, je sais. Je sais, je suis pas tout seul. Puis ça me soulage de pas être tout seul. On va aller mettre ça, ça. Puis ça. Hein. Ça, c'est les opales rondes in color. OK? Ils sont belles, ceux-là. J'en ai des flambettes. Hein. C'est ça. Des flambettes. J'en ai deux paquets de même. Encore. Et voilà. Puis je mets toujours mon petit brillant. Et voilà. Tac. J'ai 5 belles cartes de fête avec les Incolor. Ça n'a pas été l'enfer, hein? Vous avez vu, là, combien de temps ça m'a pris l'affaire, celle-là? C'est pas long, là. Hein? 5 belles cartes avec nos belles couleurs qui s'en vont. Oui, ça me fait bien de la peine. Voilà. Là, j'ai décidé de vous en faire un autre dans les Incolor. Je l'ai fait tantôt, là, elle n'est pas finie. Puis j'ai fait un boubou. Je vais essayer d'aller corriger ça plus tard. Là. Une carte chevalet. OK. Fait que je vais vous la faire, mais dans le Papa et Paul. Puis là, celle-là, j'avais pris la base de carte blanche. Mais je la trouve pas assez. Il aurait fallu que je prenne le blanc épais, puis je ne l'ai pas pris. Fait que... Merci, Maryse. OK, on va aller la faire dans le Papa et Paul. OK? Bien, fait qu'elle va être plus solide. J'ai pris le... J'ai décidé de la mater en blanc. Elle va être complètement différente. Elle va être bien belle. Bien, bien belle. Bon, fait qu'on va coller ça. Je vais prendre mon tapis en silicone parce que moi, je vais faire de la cochonnerie partout. Bon, si je l'ai mis. Bon. Bon, ah, il est là. Okay. Parce que moi, quand je travaille avec la colle blanche. Oh, mes chats, ils miaulent après moi. Entendez-vous en haut, les filles? Mon chum, il fait du bruit. Il est en train de faire ma salle de bain en haut. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Ça, c'est mon chat qui miaule. Je ne sais pas si vous les entendez, là, mes deux chats. Les deux tamens. Pas moyen de fermer la porte sans que ça brille, sans que ça broye, ces petits minous-là. Bon. Fait qu'on va aller faire ça. Une belle carte chevalet. Non, vous n'entendez pas de bruit. Cool. Je suis contente. Mon chum, il travaille dans la salle de bain en haut. Il est en train de remettre un comptoir. Changer mon comptoir. Tiens. Et voilà. Ça. On va aller les coller. Ça, c'est la base de carte ordinaire. Comme tantôt que je vous ai dit, là, 8,5 par 5,5, rainurel 4,25. Ça, c'est coupé à 1 pouce et quart. Chaque côté, 1 pouce et quart. Ça, c'est à 3 pouces. Puis, c'est rainuré à 2 pouces et 1,8 ici pour faire la carte chevalet. OK? 2 pouces et 1,8. Parce que ce morceau-là, il y a 4 pouces. Donc, c'est ça. Je ne vais pas craindre, vous ne l'entendez pas. Il fait du bruit, c'est fou. On va aller coller nos petits morceaux ici. Et voilà. Comme ça. Oh, je pense qu'elle va être belle, celle-là. Hein? Ouais. Ça va faire changement. Es-tu prête, Lynn, pour ton live ce soir? En Zoom? C'est samedi, hein, ton premier cours? Ouais, bonne idée de la mater, hein? Ouais, ça va être plus beau. Puis ça ici, mais je l'ai mis sur un papier Papa et Paul. Puis je vais aller la coller ici. Fait que ça ici, il faut les coller. Ces deux morceaux-là ici. On va aller mettre de la colle. On va les coller.
dans la carte. Comme ça. On va coller ça. Et voilà. Non, je ne suis pas vite, là. Il a fallu que je mette un papier blanc dedans. C'est pas fort, mon affaire. Je vais aller m'en couper un. Il y a combien, lui? Je vais aller m'en couper un. Lui, il y a 3 3 3 quarts. OK. Je vais me couper un papier blanc. 3 3 quarts. S'il y a une petite bordure sur le côté, ça va être super beau. Pas 3 3 quarts, c'est 2 3 quarts. 2 3 quarts. OK. 2 3 quarts. Tiens. C'est par 4. C'est sûr que c'est par 4. Oui, par 4. Oh. Tu le mets-tu par 4 et 1, 8? Non, par 4. Okay. Bon, on va mettre un petit papier en dedans. Je vais laisser une bordure tout le tour. Ça fait beau de même, hein? Moi, j'aime ça. Ouais. Ouais, ça va être ça. Pour aller écrire. Ah non, c'est vrai. Non, 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 non. Il ne faut pas que je fasse ça. Mais non, je m'en vais mettre mon... Non, parce que, je fasse ça ici, ça ne sera pas beau si j'ai un papier blanc. Ça va-tu faire beau pareil? Ah ben oui, ça va faire beau pareil. Oh oui, je vais le mettre. C'est correct. Tiens. Bon même. Et voilà. Parce que là, mon vœu, je vais le mettre là-dessus. Puis je vais le mettre en dimension pour que ma carte chevalet elle tienne bien. Et, OK. Avec ça. Je voulais le coller là-dessus. Ouais. Puis je vais aller mettre un ruban, ce que j'ai pas mis sur l'autre. J'ai pas mis de ruban. On est dans une génération d'hommes habiles. Ouais, mon chum, c'est vraiment... Oui, il fait vraiment tout. Je suis chanceuse. Il fait l'électricité, plomberie, il fait tout, tout, tout. Ça nous coûte rien, mettons. On n'a pas besoin d'hommes à tout faire. Il fait pas mal tout de ses mains. Il est très habile de ses mains. Chanceuse. Bon, je vais aller me faire un petit ruban ici. Ça va être beau. Faire le changement de l'autre. Comme ça. Non, trop. Je vais mettre plus bas, comme ça. Je vais le mettre droit. L'aimez-vous celle-là, les filles? Gynécologue aussi. Bon, ça, c'est Normand qui t'a dit dire ça, hein, Francine? Ça sent le Normand, ça. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis plus bas, mon ruban, parce que je vais aller coller ça ici, là-dessus. Fait que... Tiens. Là, il manque de quoi, là-dessus? Ici, j'avais mis des splouches, là. Là, j'ai-tu le papa? Il parle. Oui. Comment est-ce que les filles faisaient ça? C'est comme ça. Oh non. C'est pas avec le petit, c'est avec le gros, j'imagine. Non, t'es tout seul? Ça vient de toi, ça, ma soeur. Eh bien. Ah, ça marche. Regarde les filles, c'est beau. Ça fait des splouches. J'ai pris mon blend. OK, papa et Paul. Vous avez vu que j'ai fait, puis regardez. Regardez ce que ça fait. Ça a fait plein de petits plouches. Le voyez-vous? C'est beau, hein? C'est plus beau que ça ici, là. C'est plus beau que ça, là. J'aime mieux ça. Ah, mais je suis fière de moi. Cool. Hein? J'ai pris mon outil touche à tout, mon crayon, puis... Ça a bien été. Fait que là, on va mettre de la colle, mais juste dans le bas ici, OK? On n'en met pas trop proche du bord pour que ça... Comme ça ici.
Vraiment légal. Hein? Voilà. Donc, ça va faire ça demain. La petite carte. OK. Je vais aller refaire mon petit nœud ici. Oui, j'aime ça des splouches. Mais... un papier tout blanc, ça. Je sais pas. Je manque de quoi dessus. J'aime ça faire ça. Tiens. Voilà. Bon. Comme ça, comme ça, comme ça. Mon petit ruban, il n'est pas bien beau. Il est tout croche. Tiens. Et voilà. Bon, fait que maintenant, on va aller faire mon vœu. Ben, mon vœu. Merci, là. Merci, merci. Merci. On va aller le faire en noir, pareil, parce que... il est où, mon tapis de mousse, qui est là. Avec des étampes en résine, là, j'aime mieux prendre mon tapis de mousse. Comme ça, je vais être sûre que ça va bien étamper. Tiens, comme ça. Merci. Ouais, elle est belle celle-là. J'aime mieux sur un carton couleur que sur une base. Il aurait fallu que je prenne mon carton épais blanc. Non, c'est pas grave. Elle est belle pareil. Ouais. On va aller coller ça. Il est où mon morceau? Bon, je l'avais. Il l'avait vu en effet que je l'avais. Il est là! Ben, capable de prendre ça, moi. Tiens. Et voilà. Comme ça. Ah, puis j'ai le goût de le refaire. Ouais. On va aller faire des petites plouches sur ça aussi. Ça va être beau. Ouais. Comment j'ai fait? Ah, comme ça, je l'ai. Hein? Et voilà. Faire attention pas maganer la mine, par exemple. Hein? Je l'ai pas magané. Tiens. Ah, c'est beau même, j'aime ça, moi. Avec mon bouchon. Ah, merci, Lynn. C'est vrai. Je le fais pas souvent, hein? C'est vrai, avec mon bouchon. Bon, fait que ça, je vais le coller ici. Tantôt, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été chercher... ah, moi, je fasse ça, là. J'avais été chercher mes petites fleurs. Petites fleurs ici, mais je pense que je vais mettre ça, là. Avec mon encre à PayPal. En dedans, là. Lui, je vais le mettre sur des points de mousse, ça, c'est sûr. Je vais en mettre deux. Parce qu'il faut que ça tienne bien. Excusez. Merci, Lynn. C'est vrai, c'est avec le bouchon. Je pensais plus. Tiens. Comme ça. Là, c'est sûr que là. Ouais. Comme ça. Oh, c'est beau. Ouais. Je pense qu'on va y aller en deux générations, par exemple. Ouais, deuxième. Génération. Tiens. Comme ça. OK. Puis je vais aller rechercher. Soyeuse succulente avec ma petite feuille. Deuxième génération. Puis je vais y faire des petites feuilles. Comme ça. Ah, j'aime ça. C'est plus beau quand il y en a trois. Tiens. Tiens. Et voilà. Il ne reste plus grand place pour écrire, mais c'est pâle. Fait que c'est pas bien grave. Mais moi, j'ai jamais grand chose à dire dans mes cartes.
Bon. Je suis en train de checker vos commentaires. Cool. Et voilà, c'était. Il reste les bling bling à mettre. Les beaux petits bling bling. Bon, ici. Bon, il m'en reste un petit là. On va mettre un gros. Tiens, that's it. Et voilà. Fait que c'était ma petite carte. Chevalet avec mes incolores. Mes beaux incolores qui s'en vont. Est-ce que vous les trouvez belles, les cartes, les filles? Ça vous a plu? Je vais laver mes étanches, là. Tiens. On va faire des dégâts. Tiens. Et voilà. Fait que s'il y en a qui veulent les mesures, vous m'écrirez, là, je vais vous les donner, là. Ok, voilà, ma petite carte chevalet. Ça, ben, elle rentre très bien dans une enveloppe standard, hein, vous le savez. Là. Elle rentre très bien, c'est la même grosseur qu'une carte ordinaire. Ouais. Ok, ouais, je pense que j'aime mieux la papaye pâle que la blanche. Vous autres, laquelle vous préférez? Entendez-vous la balayeuse? J'ai dit que j'étais en live, mais il n'a pas l'air à s'en rendre compte. J'aimerais beaucoup les mesures. Elle est tellement belle. Ben, merci, Marielle. Je vais aller mettre la photo, OK, dans les commentaires. Je mettrai la photo, puis je vais mettre les mesures avec la photo. C'est correct? Merci. Les deux sont belles. Puis, j'ai fait ceux-là aussi. Fait que... Pour faire honneur à nos incolores qui nous partent. Qui partent. Voilà. Fait que c'était nos belles cartes. Fait que, hey, je vous remercie les filles d'avoir été là. Vous êtes super fines. Ceux qui vont écouter en replay, j'aimerais ça aussi que vous me faisiez un petit coucou. Excusez, je bégaye. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Puis je vais sûrement vous donner d'autres techniques, puis là, j'ai l'intention de commencer à vous donner des techniques. Là. Parce que des fois, on se demande quoi faire en live, hein, puis il y a tellement de techniques à faire, là. Oh, là, tu fais avec vos cœurs, c'est le fun. Alors, voici nos cartes. Fait que si ça vous tente, ben, refais-les. Viendrez les mettre en commentaire. Dans les commentaires, viendrez mettre vos photos. Ça va être super cute. Alors, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye.